Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 60 de Baldur's Gate, plus que 9 et le chiffre sera bon. Bonjour les gens. Salut. Tu crois qu'on va réussir à finir le jeu en 9 épisodes? J'en sais rien, je sais pas du tout où on en est. Oh non. J'en doute. Ah c'est faisable, c'est faisable, mais ça veut dire qu'il va falloir... Sans avec l'autre qui veut fouiller toutes les maisons. Oh. C'est génial, quand je dors, j'ai pas la tête sur l'oreiller. Ouais, j'ai pas d'oreille. Oh non, il y a l'autre là. Ah non, il y a pas l'autre. Oh, incroyable. C'est tout. Quel autre? Mais j'ai cru qu'on allait avoir le poulpe connard là, le poulpe là, poulpe man. Allez-vous saouler. Celui à qui t'as mis un gros refoul après l'avoir chauffé à mort. Exactement. Mais il y a Jacqueline là, il y a Misora qui a un point d'exclamation. Je pense que c'est bon. Alors si tu lui parles maintenant, il y a moyen que tu puisses. Ouais, en vrai, je m'en bats les couilles, mais. Non, mais vas-y, toi, comme ça, au moins, c'est plus simple. Voilà, faisons ça. Qui, moi? Non, c'est vas-y pas, il a dit. Non, comme non, ça, c'est plus vas-y. Simple. Ça sera très bien. Il y a Will aussi qu'il faut parler. Ah, tu vois, ton spell save d'ici, il est passé à 21. Donc, normalement, t'as plus 3 d'attaque. Je parle à toi, Ardan. Maudit craqueur de bité. Didn't your father teach you any manners? And here I thought you'd be grateful for the final goodbye. Oh, ça me, tu vois, avant le jeu en français, ça m'attriste un peu parce que je sais pas pourquoi dans mon imaginaire elle nous vous voyait, tu vois, en mode condescendant de ouf. Et en français, c'est traduit que au tutoiement. Bah du coup tu vois on peut rien lui dire d'intéressant, c'est pareil que tout à l'heure. Tu veux dire, vous n'avez jamais dit par rapport aux altes... Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on... Ah non, si elle nous en a déjà dit... elle nous a pas parlé de ça déjà. Ça je lui ai pas demandé encore. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave... kind, benevolent soul. Alors moi je suis en train de regarder les spells. Je vais aller rejoindre dans votre conversation. Ah lui dis pas de se barrer parce que sinon c'est... Tout va bien, tout va bien, je l'ai pas dit. Ah, il y a Will qui est triste. Non mais Will c'est bon, hein. Il y a le cadavre de son père devant lui, il va se débrouiller avec. Oh, hein, en plus il a été carbonisé. Allez. Ah c'est... Allez, on va lui remonter le moral. As it opens to Will, he learns of Mazora's meddling and Floric's tale of the dragon Ansur. Curse that rotten devil and her forked tongue, trying to set Floric against me. She's a damnable infernal case. What matters now is that Floric saw sense, and we know our path forward. L'entité affectée reçoit une joie immense qui lui communique un surcroît d'énergie et la rend plus docile. Y'a que moi qui ai ça? The heart of the gate. Pourquoi est-ce que moi j'étais en train de rêver à quelque chose? Pourquoi j'ai un bonus, il sort d'où? His guardian dragon Ansur, tremendous worth. C'est quoi ce truc là? J'avais pas ça avant. Ah, peut-être que... It's not just a tale. It's a history. Que t'as des indices là-dedans. Consider this. To Wormway neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. That's where we'll find the entrance. Bon, après les attaques mentales, c'est pas tous les jours, donc ça me dérange pas trop, mais j'aimerais comprendre. Ah ouais. And Worm's eye shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansur was Baldurin's ally. Ils ont traduit ça comment? We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raise the city. Le coup des torches, ils ont traduit ça comment en français? Faut allumer les torches. Ah ouais, super. Après, j'ai peut-être pas donné la traduction littérale qui était marquée à l'écran. C'est juste mon interprétation, je résume. Et vous parlez tout là? Mais t'as les sous-titres en français, toi? Bah oui, j'ai toujours en français, moi. Qu'est-ce que je lui dis là, moi? Ah, j'ai vu le cas de votre père, tu vois, il est là. You allow Will a moment's silence to absorb the news. It is all he needs. I will make Gortash pay. I will make Orin pay.
and I will make that godforsaken Elder Brain pay. Grand Duke Alder Ravenguard will be avenged. Bon, on a encore beaucoup de choses à lui dire ou... Non, ça va, on se casse. Allez, on se casse. Oh, elle rompit, je m'étire. Allez. Retournons à notre visite de la ville qui n'en finit pas et les nombreuses maisons qu'on passe devant sans visiter qui triggerent le manque. Ouais, attendez, attendez, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai un nouveau buff et je sais pas ce que c'est. C'est lequel? Bah c'est... Ah bah il est plus là. Félicité, bah oui, il s'est barré. C'était quoi? C'est génial, acuité arcanique, ça dure 3 tours. Ah mais c'est là. Pourquoi quand je suis à côté d'elle, j'ai en pleine félicité? Parce que ça dure 3 tours, mais ça se recharge. Ça se recharge perpétuellement. Ah, c'est bien ça. Mais vous aviez pas vous en pleine félicité en étant là? En pleine félicité. Je sais pas, je suis à côté de Midora là, de Midora. Quand je suis loin d'elle, je l'ai pas. Quand je suis près d'elle, je l'ai. Attends, ça me stresse. C'est sûr, c'est pas lié à autre chose. Bah, c'est soit ça, soit c'est parce qu'il y a une tache de sang par terre, mais. Attends. Parce que là, tu l'as toujours. Ah, il l'a et ça part. Enfin, moi, je vois que ça vient et ça va, ça vient quoi. C'est que t'as une touche avec, hein, c'est tout. Peut-être. C'est pas... Bien. Sauvegardons. Allez. Et en avant. En avant, Gagan. Attendez, je suis en dégâts non létaux, je crois que ça va très vite s'arrêter, ça. C'était bien un temps, mais... Comme on dit, toutes les bonnes choses... Ah, alors si on clique tous dessus, ça va pas... Voilà, c'est bon. C'est Avocatox, tu peux arrêter. Bah pourquoi je me doutais que c'était toi qui faisais ça? Parce que c'est drôle. Ouais. On a besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte. C'est ouvert. J'ai juste cliqué dessus, hein, on va pas se mentir. C'est que t'avais les clés. Bah oui, on avait la clé. Sans le gars qui est déjà mort, non? Y'a un coffre. Perception ratée. Oh, mais d'office derrière l'étagère, il y a un truc. Hein. Ça se voit crever. Allez. Arrêtez la perception. Oh, j'ai des bottes délicates. Ça ira vachement bien avec ma petite tenue. Je viens de ramasser une carcasse d'animal. Ah, yes. Bah, dans un carcel, oui, bien sûr. Oh, elles sont très jolies, mes petites choses. T'es toujours en full gameplay, ça pume. Bah écoute, hein, ma foi. Ah, perception ratée, perception... Bah, non, tous les quatre avoir perception ratée. Raté la perception. Attends, deux fils derrière l'armoire, il y a un truc. C'est signé, quoi. Il y avoir un signé. Bouton quelque part. Ah, je suis content de te voir faire. Mais en fait, moi j'ai lu le quêteur là, le rouleau qui est sur le bureau et ça m'a dit suivez la mort. Et là, je vois un crâne sur le truc. Mais bon, bah. Ouh, tu parles avec une porte. Là, je sais pas pourquoi, mais. La mort. La mort. Intelligence moins 1, let's go. Mais faut faire 20. C'est une énigme. Pourquoi je peux pas le faire, moi? Eh, hey, j'ai fait 16 quand même, c'est pas si mal. C'est pas mal, hein. Pas mal. Tu pouvais dire là. Ah oui, d'accord. Eh ben, je suis rentré. Bon bah... Crypte des fidèles de Baal. Ouh, encore des égouts. Dabodaba dababi babu. Badou badi. Balou bali.
dans son berceau, pardon. Flaming fists this way. Par ici, le plomb enflammé. Il y a un bouclier métallique au sol. Hop là. Il y a un bouclier métallique au sol. Maintenant, je l'ai mis dans le nain. Bah ouais, c'est ça. Là, je ne vois pas, mais en fait, je le transporte. Je l'ai coincé entre les lanières. Ouais. Ouais, ou entre ses. Bref. Entre mes. Mon muscle fessier est très développé, messieurs. There's something engraved on this skull. Living and presented to death by the Baal. Verse by invoker Grimlock. It continues. Is a burden to great and to small. We faithful cure mortals of burdensome life. J'ai une porte là, si jamais. Tiens, il y a un coffre. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Ça a l'air d'être la suite, non, là où tu veux. Non, mais sauvegarde pas, t'inquiète. C'est tout rouge. Teinture de vert ferré et brun. Bon, trouve une teinture. Perception ratée. Oh, ah, pièce! Je l'ai coupé! Ah, oh! Ça, je me remets dans l'eau. Mais je suis dans de l'eau! Je peux pas sauter par là? Ok. Voilà. Bon, attendez. Oh, la pose de. Du landing. Donc c'est quoi, vert, ferré et brun? Manifestement, il y a quelque chose derrière cette porte. Alors, je combine le voir. Oh, je fais encore plus pimp avec cette teinture. Ah, c'est serpentard de fou là. Ah, ouais, là, c'est appelle-moi Drago Malfoy. Bon. Non, avec celle d'avant était plus verte là. C'est... J'ai Crabbe et Goyle, ils sont tous les deux en tenue un peu sexy. C'est, il est vraiment tombé du côté un petit peu. Attends, je me mets. Bon. Allez, de tribunal. Que le temps ouvre la porte. C'est parti. Ah, j'ouvre la porte. Faites gaffe, il y a des zones rouges. Ceux qui gardent, ceux qui observent, ceux qui rôdent. Il n'y a pas celui qui meurt par là. Attends, faut peut-être leur parler, du coup, c'est pour moi. Ouais, vas-y. Ouvre-moi de fond consacré. Sous mes coups, vous pérez. J'adore sa voix, par contre. Ah, ouais, j'avoue. Thy flesh from bone. Je viens m'offrir en sacrifice, mauvaise idée. Bon, je leur donne une main. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Zut, on n'a pas pu les tuer. Il est toujours temps, hein. Ah, 210, ça a l'air d'être 210, furieux. 210, 309. Alors, oui, bon, peut-être qu'on n'est pas obligé de les tuer tout de suite. Peut-être que de toute façon, ils se retourneront contre nous. Ils font penser un peu au. Ils font penser un peu au. Dans à peu près le même style que dans le paladin Oathbreaker. Je sais pas si quelqu'un l'a fait, celui-là. Bah, si, mais tu regardes la fiche du truc, c'est Death Knight. Et Sol. Je viens de voir un truc, genre. Ces attaques à la main, à main là. De base, ça fait 4 à 32 de dommages en plus. C'est gratuit. Ouais, c'est comme ça. C'est pas mal. Ça vient avec. Ah, surtout que, le bouge. Oh, les traits notables, ils sont pétés. Ouais, non, je veux pas les parler. Le boug. Avec 4 à 32 points de dégâts nécrotiques en plus, un emplacement de sort supplémentaire, grand coup de bouclier. Vous voyez comment ça. Clic droit examiner. Bah ouais, mais j'ai fait clic droit examiner, mais moi j'ai pas la quantité de dégâts qu'il fout en un seul tour. Tu survoles colère de revenant et tu vois ça. Tribunal du meurtre. Oh, c'est beau. Ah oui, d'accord. On dirait ma classe. Ah oui, non mais c'est ça, c'est cours. En fait, il te fout un coup dans la gueule et en plus il y a ça qui se rajoute. Ouais. Bon, moi j'avance, hein. Parce que je peux pas mettre en hauteur du coup d'Ilazera, d'Amélicien, de Sendai et de. Sauvegarde! J'ai fermé la porte hein, si jamais. Et de Sarévoc Anchoive. Ok. On va parler aux anchois. Coucou. Moi je suis positionné.
la même. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal caché. Servants. Each returns to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians. And his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Arnchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Davella was right. Not just an imitator, but Saravok himself. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. Attaquer. C'est vrai. C'est vraiment le gars qui est en voyage de classe. Bonjour. Alors, comment faut faire? En voyage de classe. Est-ce que c'est un jeu de mots sur les classes dans le jeu? Oh là là. Oh, c'est beau. C'est beau. Oui, c'est beau. Sans doute. Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Je suis content que t'aies vu ma référence. Worship death though I do, I refused it. I roamed the coast, gathering those who still held Baal in their black hearts. The cult survived, festering beneath the city, with me as the gate's everlasting poison. But no more, for poison is too slow a death. Now is the time for slaughter. With these killings, the glory of the Baalists has risen beyond what we dreamed possible during those dark days. But the worship of my lord is led by another now, my granddaughter Arryn, the youngest unholy assassin ever to follow in Baal's bloody trail. And his chosen. Waouh, c'est beau, une magnifique histoire de famille. Et ouais. La 4. La 3. Comment tu sais l'histoire de famille, tu te dis, ah, en plus ce sont des gens sains. Ouais, ça reste dans la famille au moins. Là oui, t'inquiète pas, ça reste bien dans la famille. Arryn's gifts surpassed even her mother's. Her mother knew this, and she could not bear it. When Arryn was but 7 years old, she tried to smother the child as an offering to our Lord. I heard the screams. I ran to help, but feared for the child's life. But the cries were not Arryn's. It was her mother's blood that soaked the sheets. Arryn had cut off the very hand that tried to end her, and made a plaything of it. And as she toyed with her dead mother's hand, a deep quiver rose up through her throat. The Lord of Murder speaking through the child. Lay not a finger on this child, he said, nor let any other, for this child will serve me. With unholy ardor, protect her in my name. Saviez-vous que votre fille pouvait tuer votre petite fille a tué votre propre fille. Il se reprend dans votre famille. Clairement. My lord made his choice. I abided by his words. And so it is that Arryn now leads his temple and draws aspirants to his creed. But Arryn is not the subject of our judgment here today. You wish to
become an unholy assassin of Baal. So, approach and be judged. Ouais. Mon Dieu, il s'est levé. You have been judged. You have been found wanting. Unworthy. You will die here, mageling. Paltry spells will not save you now. Allez, c'est parti. Là, on va rigoler. Alors attendez, donnez-moi deux secondes. Normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir le surprendre. J'allais faire une fin d'adar. Oh ah non, je peux faire une... Je peux faire une fireball, hein. J'ai pas encore détecté, je crois. Ah, tu peux, mais il y a un monk qui est sur le chemin. Non, c'est bon, j'ai les trois de devant. Le gros au fond, là, je vous le laisse. Par contre, les. Ah, moi, les moyens, je devant. Chope les quatre en fin d'adar, ça c'est pas mal. Alors, ouais, attends, déjà, je casse. Peut-être 5 hein, avec le monk. Ah, le bruit quand même de la fireball, il est cool. Ah, hé biche. Ok, donc est-ce que tu veux qu'on aille. On va défoncer l'écho de Ilassia si tu veux. Un coup critique. Non. Ah ouais, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Faire quoi? Ouais. Je vous laisse faire, je tiens rien et Ah non, mais attendez, et quand on les bute, ils ont des buffs là. Faut lire là. Non mais en fait, il faut pas les tuer, hein. Faut tuer que le gros. Hein. Ouais, t'as compris que Non, faut tuer que le gros, hein. Ils existent pas les mobs là devant là, c'est faut pas les taper hein. Il y en a un, dès que le gars il tape, il se remet 25 PV, il y en a un, il a hâte, et le dernier, il a 6 d'armure de plus. Tut, hein. Ah mais 20... pas que, il n'y a pas que 6 d'armure de plus. Non, bah, juste les chatouiller, ça va, mais... Oh, les résistances du frappe à dingue. Mais non, comme il s'appelle, ça révoque, il a rien, il a aucune résiste. Attends, vous avez plus 10 à vos prochains jets de sauvegarde contre... Ah oui, non, ça révoque, lui, il est à chier. Ah, il a 3 résistances légendaires. Non, mais il a 3 résistances légendaires par contre. Ah, bah je lui en ai déjà fait perdre une, je crois. Normalement. Ouais. Vas-y, je vais essayer de. Est-ce que tu penses que je peux essayer de l'empoisonner? Ah, je vais tout faire. Ah, par contre, ouais, je te préviens, il fait mal. Ouais, je vois ça. Et encore, il est pas turbo énervé. Je vais aller faire autre chose, hein. Je vais aller ailleurs, hein. C'est pas grave. Hein. La bagarre. Non, mais c'est pas grave, on va utiliser une petite potion de hâte, quoi. Il va falloir se battre. Il a 300 PV, on peut. Ouais, une potion de hâte. Ouais, non. Ah, c'est une action. Allez, c'est bon, c'est parti. Hein. Il y a des... Et donc attends. Notre nain SM va au combat. Après, vu 4 attaques. Il a pas des résistes lui? Non. Non. Oh bon, on va faire ça. Hein. Alors, ouais, bah, va falloir que. Excusez-moi, le GPS il me dit de passer par là. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est quoi son truc, la frappe meurtrière, là? C'est une frappe qui fait bobo. Ouais, ça... C'est... Moi, je vais aller ailleurs, hein. J'ai pas vraiment envie de me la prendre, hein. Oh, attends. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, merde. Manifestement, non. Tu pouvais, hein. Attends, non, tu peux pas, il est... Comment ça s'appelle? Ah, il a un arme... Il a armement permanent, tu peux pas le désarmer. Ah, chasse. Est-ce que je peux l'effrayer? Ah, attends, non, je sais. Je vais faire... Ah ouais, je vais faire ça. Donc comme ça, si jamais il me tape pas... C'est moi ou il est déjà mid-life? C'est bon.
Il est déjà midlife. Faut voir ce que les autres vont faire. Ouf. Ah oui. Ah ouais, parce que là ça aurait été vraiment pas cool. C'est un... Elle doit se concentrer ou c'est vraiment... Non, mais c'est bon, elle a loupé le slow. Mais ah ouais, si elle met des slows, c'est... Là c'est vraiment pas rigolo. Ouais, moi, j'aime bien parce que t'as quand même un bouclier. T'as un bouclier de feu froid, c'est rigolo. Ouais, ah oui, je sais pas. C'est de la glace qui brûle. Ah, vu que je me suis mis un... Ouais, Non, bah... Allez, vas-y, c'est parti, là. Ah. Alors... Petite hémorragie, là. Tranquille. Oh là là, mais vous allez finir en même pas deux tours, les gars, là. Ah ouais, on peut augmenter la difficulté à... Elle est en merde, celle-là. Qu'est-ce que t'as fait, encore? Elle arrête pas de me counter spell. Voilà. Na. Vengeance. Tape-moi, mec. Tape-moi. Déjà, il va pas bien, là. Hein. Il a l'air beaucoup moins en forme qu'au début. Hein. Ah oui, je peux faire ça. Allez, passe. Tiens, prends sa vie, hihi. En fait, c'est Arda notre heal avec ses trucs là. Incroyable, ces effigies là. Bah, je suis un masque spécialisé dans la défense. Hein. C'est quand même mon truc de base. Hein. On peut pas le faire tomber, hein. Non. J'essaye depuis tout à l'heure de le stun, mais ça marche pas bien. Hein. Pas se mentir que ça fonctionne pas des masses. Normalement, je peux faire ça. Attends. Si tu fais un Kamehameha là? Ah mais non. Ouais, il faut que vous soyez dans l'aura, j'ai l'impression de pouvoir bénéficier du truc des gars radiants. Moi j'étais là. Ouais mais ça va bénéficier que moi, bon allez hop. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben tu fais un des 4 de plus de dégâts radiants. Incroyable. Ah attends, vas-y, on va essayer de te donner avantage. Ouais. Après il lui reste 30 PV et Arda va le tuer, enfin genre... Ouais, ça, c'est... Ah là, bah attends, mais j'ai pas fini. Hein. Bon bah Arda va pas jouer alors. C'est un peu le délire, ouais. Ah. Oh putain. Ah, je vais pouvoir faire quelque chose. Oh non, sanctuaire pendant 10 tours. Eh, tu pourrais pas le désintégrer là? Hein? Oh oh. Ah, bon ok. Comment dire que je commence à avoir un petit peu de... Tu veux une désintégration? Ah, tu pourrais le désintégrer, non? Ouais, va voir que l'autre, elle va te break ton spell, tu vas avoir l'air con. Ah, mais non, elle a passé son tour. Donc là, elle peut pas le counter spell. Ah, c'est vrai que, vu qu'elle m'a... Ah, putain, non. Non, elle m'a counter spell, moi. Ouais, mais elle a passé son Windmere. Tour. Ça veut dire que... Windmere. Oui, ah, bon, quand ça sera notre tour, ne joue pas tout de suite. Attends un peu. Bah, de toute façon, tu joues avant moi. Ah oui, moi, tout va bien. Je vais enlever... Si tu veux lui faire du mal, il y a Sanctuaire. Ouais, pendant 10 tours, il va nous taper, faut qu'on fasse d'autres trucs en attendant. Ouais, je vais virer la lenteur en tapant sur la meuf là. La lenteur c'est un... C'est un concentré, et c'est pareil, c'est elle, il faudrait... Hein. Bah, non mais c'est elle. Attends. T'as elle qui a lenteur et t'as elle qui a hâte, faut taper les deux. Enfin, faut déconcentrer les deux. Mais faut pas les tuer. Ouais. Bah à la limite, moi je peux peut-être lancer un missile magique, hein. Moi c'est sûr que j'en casse une parce que j'ai une flèche qui vire un des deux. Ah mais moi aussi j'ai ça. J'ai peut-être lancer flèches... un petit missile magique de niveau 1. Ah ouais, j'avoue, la flèche elle est silence et ça brise la concentration, c'est vrai, j'avais zappé ce truc. Mais t'as une chance. Bah après s'il y a que ça, moi je reste au cac et je le tank, hein. J'aimerais dire que mon shield il serve à quelque chose. Allez, ça marche aussi. Bon, elle va pas en avoir 250, hein, des counter spell ou d'un moment. Bah là, elle a cramé le sien, donc toi, tu vas pouvoir lui mettre une fin d'adar enfin. Ah, il a plus sanctuaire. Attends, je vais vous enlever le. Il a. Allô.
Concentration interrompue. Concentration sur interrompue. Paf paf paf. Masse paf. Les masses paf. Oh, par contre, tu vas être ace, ça va être rigolo, là, je pense. Peut-être disengage, non ? Spell, un sort de niveau 1, c'est moche. Ah bah ouais, mais là, en même temps, c'est bien, comme ça, Katox, il peut faire ce qu'il veut, là. Oui. Oh ! Bah, j'attends de voir ce que ça donne chez vous, et puis après, au pire, je lui balance 3 Eldritch Blast. Bah vas-y, joue, joue, c'est à toi, hein. Oui, oui, c'est à toi de jouer. À toi de jouer. Je crois qu'il va être jugé indigne. Oh, le, pour le chatouiller. Juste Pix. Oh, les ripostes. Et l'attaque d'opportunité. Bah, riposte, ça me crame mon opportunité. Ah. Mais pourquoi moi? J'aurais peut-être pas dû l'utiliser en riposte, j'étais bête. Aïe. Tu le... Ah ouais. Oh, Chouchou Train, j'arrive. Bonjour. Allez, bisous. Ah, c'est bon, on peut les tuer maintenant? Ouais. Oh, il y aura sans... Ah non. L'autre il bouge, il bouge. Il court, il court, le petit nain. Ah, je peux encore. Attends, reviens. M'en fous. Ah, ça c'est malin ça. Oh, c'était quoi? Ah. Oh bah ça c'est plus... Alors par contre ce qui m'embête c'est que les trois oiseaux de dehors ils sont pas venus. Ça je suis très triste. Vas-y, j'ai fermé la porte. Ouais ouais. Ouais. Normalement quand... normalement ils viennent. Ah ouais, normalement ils se venaient là. Elle est en flamme ou pas? Non, mais sachant qu'il y a une flamme là, je pense pas. En vrai. Ah bah non. C'est un peu décevant. Hein? Quoi? Parce que... J'ai pas tout compris là. Y'a un mort vivant là. Y'a un mort vivant, comment ça? Ah merde, je suis stun, j'ai plus de hâte. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je l'ai tué. Oh, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais il l'a transformé en zombie. Bah c'est vrai qu'on peut plus lui parler là, c'est un peu con. Bah ouais. Tu voulais encore lui parler? Bah on aurait pu le relever des morts pour lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Ah tu bah... Je sais pas. Oh, y a pas de stuff. Putain, tu l'as transformé en zombie, je crois que ça a niqué son stuff. Quand il y avait un truc absolument que tu voulais dessus, blablabla, classique. Ah, puisque lui on passe, c'est de l'argent. Ah bah je sais pas moi, si... Il avait des trucs sympas. Je sais pas, en tout cas, il a un beau fauteuil sur lequel je vais m'asseoir. Il a un super. Putain, je vais faire pareil. Ah, bah non, C'est-à-dire qu'il avait rien, il avait rien. Bon, il avait rien, peut-être parce que je l'avais déjà looté, mais. En vrai. Oh, espèce de con, va. Ah, bah ouais, qu'il y en avait un qu'il avait fait. Ah, je me disais, merde. Je te rassure, je l'ai looté pendant le fight, hein. Je vous ai pas attendu. Après, attends, l'épée du chaos, c'est une arme à deux mains ou. Je sais pas, je peux pas la mettre de toute façon, donc tiens, voilà. Il y a une serrure. Et tiens, il y a ça aussi, je peux pas le mettre. Il y a une serrure. Attendez, mais déjà, là, il y a un coffre. Il y a un coffre, là, déjà. Ah bon, allez, vas-y. Pour moi. Il y a une serrure, tu peux... Oh, oui. Il y a oui. Une porte. Journal d'un maçon, calice en bronze. Ouais, vous pouvez pas être effrayé, vous pouvez pas être effectué, hein. Il y a des cages. Il y a plein de trucs, ici. Alors, en vrai, je perds la résistance au crit, mais ça me permettrait de crit plus. Il y a des choses ici. Si ça vous intéresse. Attends, mais toi, les casques moyens, qui c'est qui peut les mettre? Regardez, j'ai trouvé Valéria. Quoi? Hein?
qui c'est qui peut mettre des casques moyens. Ça sent le plan cul, cette histoire. Vu la pièce dans laquelle elle est, ça pue l'arnaque. Valet quoi? Ouais, ouais. L'éléphant qui vole là. Ah, bah, ça sent la merde, hein. Ça. Le fait qu'elle ait une petite chaîne à sa patte. Ouais, ça pue un peu, hein. J'ai pas envie de dire, mais bon là, elle est sur un symbole autour d'une mare de sang. Ça. Je vais lui dire bonjour, ouais. Je suis sûr que ça passe. Moi je vais me soigner, hein. Voilà, me soigner un peu. Hein. Moi aussi j'ai besoin de me soigner. C'est surprenant ça, j'ai pris des coups. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris des coups. Bonjour. Ah, sur une touche, ça me fait gagner des PV. Citizen. Est-ce que Katox, tu peux mettre des armures moyennes toi? Non. C'est tout? Bah, il faut défaire les chaînes. Attends, j'ai tenté mon crochetage habituel. Thanks for freeing me so quickly. Ah putain, ça veut dire que le casque, tu pourrais pas le mettre. Ah, c'est dommage. Vas-y, je vide le casque de Sarvok et essaie de le mettre. Though I do wish you'd figured this all out before I put the blame for Father Logan's murder on that poor refugee. Well, at least it's over now. Ah, il a dessoulé lui. You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you, well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight, heroism. Ah, j'ai claqué mes trucs pour regagner du ki alors qu'au final ça servait à rien. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the old undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? This place is foul as piss. I'm out of here. Ça pue la mort, sans déconner. Y'a des trucs sympas à looter dans le secteur? Bah je sais pas, y'a un coffre accrochetable là. Des crânes pour le trône de crâne. Du sang pour le dieu du sang. Le coffre il peut pas être crocheté, c'est ça? Ici, il peut et il l'est d'ailleurs. Parce que et j'avais trouvé une clé. Trop tard. Il y avait des trucs bien dans le coffre? Il y avait deux flèches de glace. Mais bon, bah, je suis un peu déçu, moi j'ai une clé, mais elle sert à rien. Bon, moi je continue avec l'or. Ah non, foudre, flèche de foudre. On va à l'autre porte du coup. Il y avait une autre porte? Ouais, oui, de l'autre côté. Ah bah, enfin, là-bas. Ah oui, oula. Ah, mais c'est une prison. Ça, tu te dis quand même, les gars, les cultistes, ils arrivent qu'on soit à bâtir des grands trucs sans que personne ne les repère, quoi. Y'a personne dans les prisons? Y'a pas l'air d'avoir grand monde, mais y'a un porte-clés. Clé de la prison du tribunal. Y'a un chat dans la gorge, c'est désagréable au possible. Pauvre bête. Tu veux échanger avec une grippe, si tu veux je te donne la mienne. Non merci, ça ira. Il y a le point, quoi? Enflammé. Le point Orville. C'est le point enflammé. Cher plume. Ah. Et ben voilà. Quoi? T'as complété ta tenue d'Amazon avec des sandales de gladiateur? Exactement. Non, parce que j'avais vraiment, c'était un peu de la merde. C'est-à-dire que regardez, genre j'avais ça comme chaussures et ça le faisait pas trop, quoi. Genre j'avais des espèces de des chaussures à bout pointu, mais
avec genre vraiment comment ça s'appelle ces pompes de gladiateurs là, des sandales. Non, tu sais, les sandales qui montent là, justement, c'est un nom. Des spartiates, justement. Donc j'avais un bout de spartiate, mais avec genre des mocassins, tu vois. Et bon. Pas fou, quoi. Ah, c'est quand même pas top. Le corps de nos agneaux doit être nourri. Un accord d'exclusivité d'un côté. Oh ! Ah, mais ils sont cannibales en fait ! Ils sont cannibales, incestueux, enfin voilà. Ah, mais il y a tout ce qu'il y avait à faire ici. Bah, vous avez lu le truc sur le Orville là? Ok. Bah, il y avait un porte-clé, vous l'avez ramassé? Ouais. Bah écoute. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'était un peu tout, hein. Ah, à moins que. Non, il n'y a même pas d'arnaque là. J'ai pas l'impression qu'on puisse arnaquer. Après, il y a quand même un... trouver le moyen d'accéder au temple de Baal, hein. Bah oui, vous avez dit, on se confie, mais... si on a récupéré un truc. Alors, attendez. Cette carte dessinée à la hâte montre une ligne pointillée à suivre pour atteindre le temple de Baal. Quelques instructions étaient griffonnées en dessous. Entrez dans les égouts par une bouche de forme circulaire, puis prenez au nord-ouest jusqu'à atteindre les ruines de la cité des Tréfonds. Ensanglantez les crânes pour pouvoir franchir la porte, et suivez la traînée de meurtre jusqu'aux portes du temple de Baal. Loué soit-il. Mais c'est là où on était la dernière fois, non? Ouais, on avait pas réussi à ouvrir la porte parce qu'on était tous comme des teuteux devant à essayer de dire des trucs. Mais je crois qu'on avait eu peur de la porte. Ok. Bah... ici, j'ai l'impression que c'est un peu tout, non? Bah, on peut essayer de rouvrir la porte et... taper les mobs qui sont dehors, je suppose, parce que je pense qu'ils vont pas prendre cordialement le fait qu'on ait tué leur chef. Ouais, je pense pas, non. Bon. On laisse le temps de passer devant. Ok. Alors, bonjour. Oh! Oh non! Oh ben non... Oh, ça, c'est décevant. Alors! Des bottes, on sait pas ce que c'est, mais ça nous intéresse pas, tout simplement. Ah, Long Strider, je l'ai déjà. Le Arnois de Chevalier Noir. Tous les dégâts... Oh, ça a l'air bien, ça. C'est un truc de paladin, ça. Ah, il y avait un autre truc violet. Rose truc. Ah, parce que regarde, l'armure de Blackguard... après, le skin, je crois qu'il est cool. Ah, c'est dans ces moments-là où je me dis, putain, ouais, ça saoule de pas faire un paladin, quoi. Ah, bah ça... Il y a tellement de trucs stylés. En plus, le shield, il est vraiment joli. Ah bah, écoutez, vous savez quoi? Hop là. Vous saviez pas, mais en fait, je me bats à l'épée. Voilà. Sachez-le. Tu veux une épée à deux mains? Bah, manifestement, je me bats à l'épée à deux mains, là. Ah non, c'est d'accord. Oh, ça, c'est quoi? C'est une rapière? Bah, elle fait plus mal que la mienne, donc ça sera très bien, et... Ah mec, si tu veux, on a fait une quête, là, si on va faire récupérer une récompense de quête, tu peux avoir une arme à une main. Oh, attends, mais en plus, c'est une rapière, je crois que tu peux les utiliser, les rapières, toi. Non, mais après, là, c'est juste que c'est une arme à deux mains, plus deux, en fait. C'est surtout pour ça que je peux la mettre, sinon je pourrais pas. C'est juste que l'enchantement que j'ai sur la mienne, c'est une plus 1. Et il se trouve que celle-ci, c'est une plus 2. C'est pour ça que... Enfin, c'est... Mon bâton, il commence à être moins bien, en fait. C'est surtout ça. Les bâtons que j'ai, ils sont un peu vieux, quoi. Mais on n'avait pas récupéré des bâtons mieux que ce que t'avais? Non. Non, pour l'instant, j'ai jamais eu mieux. Il n'y avait pas des bâtons spécialement pour les... Bah j'en ai 3 des bâtons, mais ils ont rien de vraiment spéciaux, c'est juste des bâtons qu'on spell à chaque fois et puis c'est tout quoi. Weird mec, j'ai un cadeau à te faire. Ah ah putain, mais oui, c'est vrai, c'était quand médium. Ah ouais. Merci. Bah après c'est pas grave, hein, je peux me battre à l'épée 5 minutes hein. Bah ouais, ce que je te dis hein, si jamais... Je sais pas si les rapides... Ah non, c'est des épées courtes, je sais pas s'il y a eu... Ah, c'est dommage qu'elle la mette pas dans son dos, ça aurait été hyper classe. De quoi, comme moi je fais? Non mais regarde, en gros quand je la sors là, l'arme... On a toujours le truc de trouver un moyen... Tu vois, après elle la range dans son dos... Techniquement,
il l'a trouvé. Hein, retrouver la victime de Ra à l'intérieur du temple de Baal. Attends, c'est quoi ton arme là? Il l'a trouvé, il nous a lu d'un parchemin tout à l'heure. Attends, t'as une épée longue. Tu veux que j'aille voir si j'ai une des épées longues moi qui traîne Non, mais c'est parce que c'est une épée longue enchantement plus 2, c'est pour ça qu'elle est mieux. C'est tout. Bah oui, c'est... mais des armes plus 2 bleues, j'en ai plein d'autres. Bah oui, mais t'auras. Bah regarde si t'as un bâton, mais je pense pas. J'ai une halbarde si tu veux. Mais je crois pas que je puisse les mettre. Enfin, on voit, on va voir, mais je pense pas que je puisse les mettre. Vas-y, est-ce que ça tu peux me prendre? Non, je peux pas, c'est arme de guerre. Non, moi je peux parce que cette arme là elle est polyvalente en fait, c'est pour ça que je peux la mettre. Ok, d'accord, bah je vais aller check dans les coffres alors si j'ai pas un truc. Ah, mais attends, mais mon. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait, mis ça... à part de parler d'épée à deux mains depuis 5 minutes? Tu peux le prendre le. Non, parce que c'est arme de guerre ou trident. Ah, pourtant c'est versatile, c'est con. Ouais, mais c'est je peux pas tout mettre non plus quoi. c'est tant pis hein. Donc on voulait qu'on aille essayer de récupérer une épée qui pourrait potentiellement être ultra cool pour. Moi je veux juste qu'on avance à faire des quêtes et qu'on visite. Bah il y a une quête qu'on a faite, on n'avait pas allé récupérer la récompense de quête. Ah. La gamine on l'a sauvée mais on n'a pas récupéré la récompense et la récompense est incompréhensible. Et bah on avance. Faut se TP au mur central de la ville basse. Elle est récompensatoire. Hop, allez je me TP. Ça avance. La basse. Mais c'est... Et puis c'est pareil, il y avait une histoire de marchand. Oh. Allez voir Laura et Vanra là, c'est ça? Attends mais... Ah d'accord, je me suis re-TP. Ah mais c'est là? Non? Pas du tout. Là... Ouais, c'est juste à côté. C'est qui ce gars là, morse la cheville là? Ça, je sais pas, il y a un gars là. Ah bah oui, mais lui il a des armes, il a des armes sympas aussi. Lui et la marchande à côté, Fitz the Firecracker. Oh, lui, il a pas une arme. Lui. On avait pas une quête à la base, nous. Je me suis fait sidestep, désolé. Il a rien d'intéressant, vraiment, il n'y a pas un truc bien quoi. Bah de toute façon, il y a lui, là on va aller récupérer l'arme à côté. Franchement, l'arme à côté, je pense que elle peut te plaire. Y a un truc qui a explosé là. Hein? Un truc qui vient d'exploser à côté de moi. Vas-y, Katox, lance le dialogue. You brought her back. You brought back my sweet, sweet girl. En plus, l'arbre, elle a la classe. Elle a bien failli mourir. It was everything. I'll never forget it. Here. A token from the pirate life I left behind. Thank you dégueul, hein. For being braver than half this city put together. Ah, mulette tremble épine. Et ah vous êtes là. Non mais tu l'as eu où la mulette? Je la vois pas dans tes affaires. Ah, ça vient de pop. C'est quoi ça? Mais franchement ton arrivée ça faisait tellement Wonder Woman quoi. C'est ça, c'est une ah non c'est une arme de finesse mais c'est une rapière. Ouh. Ah je peux pas je maîtrise pas ça. Ah mais toi Katox tu peux par contre. Non. Ouais. Ah bon? Les rapières, si tu peux. Tu peux faire un pacte des blades avec. Tu peux la toute arme que t'as, tu peux les. Mais j'ai pas pacte des blades, pacte de quelque chose. Ah t'as pris, mais t'as pris quelle voix toi? Le Great Old One. Great Old Ones. Oui mais après tu choisis ton, t'as un pacte à faire. Bon, j'ai pas pris celui-là, je sais plus lequel j'ai pris. Là. Je vais check. Tester des trucs. Ah oui, non, Pack of the Chain, t'as pris celui-là. Ah, c'est con, ouais, c'est dommage. Pack of the Blade, ça te permet, en gros, toute arme que tu récupères, tu peux te lier avec et tu deviens proficient dans l'arme. Ceux qui veulent. On va où maintenant?
Bah y'a un truc qui vient de cramer de partout là, on peut peut-être se renseigner. Après, est-ce que vous voulez aller voir le magasin de magie? Oui. Eh bah allons voir le magasin de magie alors. Attends, je parle à la bonne femme qui est sortie du bâtiment qui est enflammé. Oh, et en plus, il y aura deux bâtons de fils. Ah, ouais. Ah, mais oui, elle. Forgive the mess. Your blood is far more volatile than I'd anticipated. It's a breakthrough in the sanctuary. The likes of which the world has never seen. The grand matriarch will have no choice but to. Elle me dit rien du tout. Je sais pas qui c'est. Celle où on a l'acte 2. On fait une ponction de sang là pour des potions. But listen to me. Ah, rabbiting on about myself when I have you, the prize bleeder, on my very doorstep. If you'd come inside, we could discuss something far more exciting than drow politics. Tu sais pas si elle a vraiment envie de faire une discussion ou. Ouais, ou te repiquer du sang. Ouais, c'est ça, du sang. Do follow me. Mec, moi, bon. Dans ma première run, je l'avais complètement massacré, cette cocotte. Attendez, vous êtes rentré par où, là? Ah, là. Ah oui, c'est le bordel, un peu. A cozy little spot, isn't it? These four walls have witnessed greater alchemical triumphs than the keep of Urngarth Doran. Pam pam pam, une oreille de hyène, un cœur de méphite. The crown jewel of my research. Un croc de warg. All you have to do is drink formula gruna. Je dois boire la formula gruna. Well, yes. Formulae Arku through Fruag were spectacular failures, but Gruna is different. Believe me. Let's go. On doit un truc à boire. Let's go. Oh, marvelous! I've never been so excited for anything in all my days. Just stand over there, far over there, and drink up. Explosion, fin du game. Sent tellement le trick. Elle m'a dit de tenir loin d'elle, donc du coup, tenir plutôt proche. Ah bah moi je m'éloigne. Alors comme ça, je suis explosif. Oh là, il y a un truc qu'elle a pas aimé. Quoi? Ah bah, je crois que c'est parce qu'on a. Bah c'est bon là, tu. Bass, vous avez survécu. Pourquoi c'est tout pété là? Je vous abandonne 5 minutes, il y a tout qui est en sang, qui est en feu là. J'ai plus de passion. I'd hypothesized you wouldn't, my friend, and you've proven me absolutely correct. You are the world's first. Detonative exsanguinator. To put it simply, from this day on, your blood goes. J'ai de la nitroglycérine dans le sang. Boom. It's incredible. All it needs is a spark. I assure you. Après la combustion spontanée, l'explosion spontanée, c'est ça. Il a toujours dit que j'étais un précoce, mais là. Classe. Classe. Méga classe. Now, let me offer you a little treat. In exchange for the teensiest vial of your marvelous blood, I'll give you something that'll really throw your enemies for a loop. I'll only ask a nominal fee in exchange. Allez. Allez, vas-y, fais-le. You really are a fine collaborator. Alors, qu'est-ce qu'elle me vend? Est-ce
Est-ce qu'on regarderait pas ça pendant l'entre-deux épisodes? Si, on va faire ça entre l'entre-deux épisodes. Ceci clôture l'épisode 60. On fait tous des bisous. Ciao. 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 Là où vous avez... C'est tellement les fins d'épisode, c'est hallucinant.